Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ouais, une petite vidéo, c'est bientôt les examens, comme je le dis à chaque fois. Je commence ce lundi, donc ça va être chaud, mais je trouve quand même du petit temps pour vous lâcher des petites vidéos. Donc on va partir pour un match. Sinon les gars, hé hey, la régie, coupe la musique. La régie poteau, c'est moi qui ai coupé la musique comme un crevard. J'avais demandé 40 j'aime pour ma dernière vidéo, j'en ai eu 85. Depuis que j'ai été voir, j'ai eu 85. Donc un grand merci les gars. J'espère que ça sera comme ça pour toutes les vidéos. Donc c'est parti, on part pour ce match. Road to Division 1 les potos. Oula, contre un 86. Ouf, une équipe basique. Ces équipes ça a impressionné au début de FIFA 15. Maintenant ça impressionne s'il y a des tots, des boosts et des totis, et tout ce, des man of the match. Tout ça, ça n'intéresse plus. Putain, il vient quand même boucher. Ici le boucher c'est moi poto. Donc tu vas te calmer. Tu m'enlèves pas ma place. Alistair Ridge. Oh là là, Boateng. Alistair Ridge. Deuxième tentative. Bah oui, poteau. Bah oui. Petit, tu veux me tester? Tu peux glisser comme Boateng. 1-0 les poteaux, ça fait plaisir. Le road to division 1, pour l'instant ça marche assez bien. Hein, enveloppé. Ah, c'était presque. Le lob du prof. Ah. Ben ouais, ce reach du droit, t'as failli mettre un lob du prof, c'est parfait. Je la mets ou pas les gars? Je suis sûr, je suis possible, c'est possible de la mettre. Je suis sûr c'est possible de la mettre. Oh poteau, oh, oh, oh. Putain. Bon les gars, c'est la pause. Ça c'est à mi-temps, il a aucune frappe. Donc on le domine assez bien. Mais 1-0 c'est pas assez. En une touche. Putain, mais je dis plus une touche. Je vais faire une touche, mais je le dis plus les gars. Parce que sinon ça arrive ça. Mais non, putain. Ça me saoule. Putain. Je suis là en train de faire le con en une touche. Vas-y, hein, joue à FIFA, mon pote. Wesh Pedro, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que. Deuxième poteau sur le match. Troisième poteau. Mais ça rentre. Ça rentre. Mais j'ai mis trois poteaux. Putain. Il y en a un peu marre là, hein. En fait, si tu veux savoir pourquoi je mets autant de poteaux, il y a un jour, tu vois, le poteau il est venu vers moi, il m'a dit. Pedro, tu sais, ça fait longtemps que je connais, tu m'as souvent touché et j'aimerais savoir si toi et moi ça pouvait marcher. Et je lui dis, wesh poteau, t'as compris ou pas? Entre toi et moi ça va pas marcher, je préfère les lucarnes. Blague de merde, mais c'est pas grave. Le corner, ça c'est mon dada les corners, c'est mon dada, rien. Tac, je me décale, je donne là. Je fais une feinte de frappe, je reviens et bim! C'est mon dada les corners, je t'ai dit. C'est mon dada! Tu peux pas me tester au corner, mon pote. Même avec les défenseurs, je marque. Est-ce que tu vas rage kit, mon pote? Rage kit, mon pote. Non, tu vas pas rage kit. T'as fait un changement, Hummels Lewandowski. Oh oui! Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'avais choqué, Cuadrado. Pour une fois que t'avais choqué. Wouh! Ça, c'est... Tu coupes la balle du match, mon gars. Bon, les gars, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter. Allez me suivre sur Twitter, sur Snapchat. Après les examens, je vais lancer ma nouvelle série que j'ai expliquée dans les vidéos précédentes. Je vous dis à une prochaine. C'était Pedro C2O. Ciao!